Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Tuffy Tuff et je vous propose une émission qui s'appelle Juste une vie. Et aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 de Velocity 2 Hex. Allez, c'est reparti. Sélection du niveau. On était donc ici. Ici qu'on s'était arrêté la dernière fois. Donc allez, c'est parti. On y va, on va essayer d'être concentré. On va réussir. Attendez, j'ai pas choisi le même niveau, moi, bêtement. Je ne sais plus du tout. J'ai peut-être choisi le même niveau vu que... Ouais. J'ai fait cette boulette. Alors, comment ça tire déjà? C'est le bouton là. Voilà, le temps que tout revienne, hein, comme d'habitude. Hop, ça carré. Pour se téléporter, ça c'est tout bon, ça revient. Et oui, il faut d'abord que je détruise ça. Voilà. Comme ça, ça passe mieux. Bon, alors pour tout vous dire, aujourd'hui je vous ai dit que je vous mettrais de juste une vie, c'était ce que je vous avais dit dans le programme, dans la petite vidéo du dimanche, qui fut encore une fois très courte et j'en suis vraiment désolé. Je vous mettrai le prochain juste une vie demain parce que, en fait, ce soir, ouais c'est par là, juste après cette vidéo, donc celle-là je vais la poster Ah pardon, je joue en même temps et j'essaye d'être concentré au taquet. Pas forcément évident. Donc ce que je voulais dire c'était que oui, ce soir en fait, juste après cette vidéo, donc vers 17h30, je vais vous mettre le prochain film game, qui est Resident Evil Révélation. J'ai voulu faire ce jeu. Ouais, je vous en reparlerai plus dimanche, je pense. Voilà, fini. Hop, ça, c'était la semaine dernière. Donc là, on y retourne sérieusement. Voilà, magnifique. J'ai peut-être même fait pire que la dernière fois, mais ça, c'est pas grave. Comme ça, voilà. Les touches sont à peu près revenues dans mon esprit. Alors pardon, hein, si jamais il y a des blancs comme ça dans cette vidéo. Ça veut dire que là j'aurais tout coupé. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis bien malade. J'en suis... Ça fait chier, quoi. Alors, qui es-tu, toi? Parce qu'au final, j'ai pas trop eu le temps de lire, là, pendant que j'étais en train de crever en antenne. Donc... Ça, c'est notre petite demoiselle qui essaye donc de fuir. Pour fuir, je vous propose d'aller à Stranda, c'est le monde d'origine de mon peuple, les Jintinda. Sécurité non garantie, mais j'ai du matériel de recherche là-bas. Ok, mon petit gars. Ah, bon, on s'est fait un allié. Voilà, c'est parti. Bon, l'histoire a l'air... Bon, c'est cool qu'il y en ait une, parce qu'il y a pas mal de jeux de ce genre où il n'y a pas d'histoire. Hop. Donc c'est bien qu'il y en ait une petite, même si ça risque pas d'être exceptionnel du tout. Et je ne pense pas. Allez, on continue d'avancer, donc là il va y avoir... Voilà. Un petit interrupteur. Certaines bonnes suivent un ordre précis. Vous devez tirer dessus dans le bon ordre pour désactiver le champ de laser. D'accord. Donc il y en a 3. Voilà, il y en avait que 3. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas bien. N'oubliez pas de tirer. Oui, bah. Je ne suis pas con non plus, hein. J'arrive à suivre, à tirer dans un ordre. Alors, amarrez votre vaisseau sur le quai pour trouver la borne manquante. D'accord. Comment j'aborde? Comme ça tout simplement, comme ça tout simplement. Ok, donc on commence à avoir des phases. Donc j'ai la borne de 3. Alors comment je courais vite déjà? Voilà, comme ça. Et comment je faisais les petits... Non.
Ça c'est pour se téléporter, mais il y avait une touche pour faire des glissades. Que je ne me souviens plus. Je ne m'en souviens plus malheureusement. Il n'y avait pas un truc là à dégommer? Non. Voilà la couleur des cristaux, donc je me dis, ah ok, cool. Et donc là je vais ressortir à mon vaisseau, je retire sur le 4. D'accord, ok. On sent... Ah, excusez-moi. Alors, je mets ça en pause. Ah là, excusez-moi, je suis de retour. Allez, c'est parti. On continue notre shoot. Hop, donc j'ai pété un numéro 1 là. Ok. Oh, j'aurais pu me téléporter. Bah, pas le choix, va falloir rentrer là-dedans. Faut que je pète le 3 et le 4. Par contre, j'aimerais... Oh là, non, re-rentre, s'il te plaît. Voilà. Alors, comment je suis... Ah, bah... Ok, c'est la même touche que le saut, mais quand elle voit qu'elle est devant un obstacle... elle s'abaisse. Ça marche. Hop, hop, hop. En plus, c'était important que j'aille répondre. Important aussi pour vous, parce qu'aujourd'hui, il y a l'achat du prochain film game. Et comme j'ai pas pu y aller moi-même, je reste au chaud aujourd'hui. Je ne bouge pas de chez moi. Je ne travaille pas. 4. Oui, c'est le 5, hein, là. Ok, c'est bon. J'ai eu un petit coup de flip, là, j'ai cru qu'il m'en manquait... Pourquoi j'ai eu l'impression qu'il m'en manquait deux? Pourquoi mon cerveau ne tourne-t-il pas rond? Eh ben, fin du niveau, c'est parfait. Pour l'instant, on n'est pas trop mal, on gère un peu, hein. Apparemment, ça va se corser quand même au bout d'un moment, donc... ça va bien se corser, apparemment, au bout d'un moment. Je suis tombé par hasard sur... par hasard, je traîne pas mal sur cette chaîne. Ils ont fait une petite critique de jeu sur No Life. Il y a moyen que ça... Il y a moyen que ça soit bien compliqué après. Je vois de contacts multiples sur le tableau principal. La formation indique des intentions hostiles. Accrochez-vous. Ok, un combat de boss apparemment, est-ce que j'ai compris? Alors, on va péter le numéro 1. C'est un pack d'armes récupérables pour activer des armes spéciales. La jauge en bas de l'écran indique la quantité de munitions dont vous disposez. Ok. D'accord, et là, forcément... Donner le codex déverrouillé. Ok. Je sais pas à quoi ça sert, mais on prend tout. Bon, pour l'instant, ça va. C'est pas trop trop chaud. On va vite aller là, repartir là. Voilà. Là. Ok, un numéro 3. C'est bon. Bon. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? On va essayer de speeder un peu. Ça devient de plus en plus étroit. Hein. Ça devient de plus en plus lent, moi, dans le jeu. En plus, on est noté par rapport au temps qu'on met à finir les niveaux. Parce que les speedrunners peuvent vraiment s'amuser dans le jeu. Au bout d'un moment, il va falloir une certaine maîtrise du truc. Ah, là, faut que je descende plutôt. Donc, faut que je pète le numéro 3. J'ai vu qu'il y avait le numéro 4. Ça va. C'est cool que ça switch entre... entre tout comme ça. C'est vraiment sympa.
pas courir un peu peut-être. Si je me téléporte pas, ça n'ira pas. Allez, dis au revoir au lieu de courir bêtement, voilà. Hop, encore des données de codec récupérées. Comment je pète ça moi? Ah bah comme ça tout simplement. Je pensais que je pourrais pas tirer au travers de... Voilà, on a l'état vite fait. Donc plus mon arme spéciale. J'ai pas vu que ma jauge était vide, je suis pas traumaté. Elle se descend dès que je tire ou elle se descend en continu et... Ah bon, on va y aller hein, on va péter un numéro 3 qui se trouve quelque part là-dedans. Tac tac tac. Hop, hop, hop. Si je pète pas comme il faut, on pourra pas tout récupérer. On va faire gaffe quand même de pas se cramer la gueule. Je suis à combien de minutes moi, ça va. Je suis encore. Il reste encore un peu de temps de vidéo. Alors on essaye de faire gaffe ces morceaux rouges de partout. Ça ne me rassure pas. Ah, on y est presque. Ah là là, quel con. J'ai glissé avec mon stick bêtement, et voilà. Bon, bref. Alors. Ouais. On va essayer de les récupérer. Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille, voilà. Hop, hop, hop. Non. Plutôt là. Plutôt à cet endroit. Et c'est nickel. Bref, allez. C'est assez long, hein, cette mission là. Ah bah là, j'aurais pas de truc bonus, j'ai pas tout pété là. Munitions remplies. En fait, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis qui ripostent. Donc ça fait... je pense qu'à un moment donné, je vais me faire tirer dessus. Et je pense, et je pense. Fini, fini. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je regardais mon chrono. On va certainement avoir le temps d'en refaire une petite. Défense automatique. Allez, on continue un peu l'histoire. Qu'est-ce que ça va nous raconter, tout ça? Les ingénieurs que vous avez sauvés nous ont mis en garde contre les tourelles automatiques. Je crois que notre train est proche. Bah tiens, quand je commence à parler de... Je sens qu'on va me tirer dessus, faut que ça arrive tout de suite. Honnêtement, hein, je sais pas à quel moment ça allait arriver et tout. Hein. Si, je vais jeter un petit coup d'œil. Ok, vous plaisantez, pas vrai. Vous avez vu mon jeu d'acteur incroyable? C'était pathétique. Un peu. Accrochez-vous, je vais vous montrer ce que ça va sauver dans le ventre. Oui, je l'ai fait parler bizarrement, elle. C'est décidé, elle aura une voix chelou. Elle aura une voix toute chelou. Alors, attention à ces tourelles, détruisez-les. Voilà. De soins, d'accord, santé remplie. Elle est où ma barre de santé? Téléportez-vous pour ramasser ces kits de soins, cela rétablira votre... Ah, j'ai été trop vite. Voilà, pas bouger, saloperie de tourelle. Oula, est-ce qu'après il y aura des tourelles qu'on peut péter par ordre? Vous savez, il faudra péter d'abord la une, la deux. Oula, 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 oula.
Hop, on arrive. Est-ce que là-dedans il y a des ennemis pour l'instant? Ouais, si. Ça va me tirer dessus cette connerie, non? C'est une mine. Elle explose si vous la touchez, d'accord. Hop, 26 sur 120, c'est quoi? C'est mon bouclier, ma vie. Ok, voilà, glisse. Des petits coups d'esquive comme ça. Ok, il va falloir que j'ai du rythme moi quand même. Non, je vais pas réussir à m'en sortir. Ok, on va refaire une passage, voilà. Hey, oula, faut pas que je reste non plus à crier victoire bêtement et à me faire toucher par une dernière boulette qui traîne quoi, ça serait dommage. Là, le jeu commence à devenir vraiment super intéressant, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Santé remplie. Voilà, comme ça qu'on vous nique la tronche. Il y a une mine en plus. Une mine! Voilà, donc ça c'est fait. Après, là, il y en a encore qui traînent. Pour l'instant, elles sont pas super résistantes non plus. Hein. Des cristaux, les cristaux, et c'est bon, on ressort. On ressort, on va finir cette mission. Et ce sera la fin pour aujourd'hui, je pense. Alors, comme ça, on a décidé de me casser un peu les couilles. Ah non, je vais vous niquer. Bon, pour l'instant, ça va. À chaque coup que vous affrontez un ennemi, vous avez un point de santé juste derrière. Attendez, je suis en train de paniquer bêtement. On sent que c'est une phase quand même complètement tuto quoi encore. On en est vraiment qu'au tout début du jeu. Ah, aïe aïe aïe, bêtement, en plus je me suis vu aller dessus et je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même pris mon élan pour y aller. Alors, tac tac tac, on récupère tout ça. Voilà, j'ai voulu aller vite, bête. Viser aussi, ouais. Ah, on va se les faire à distance. On va la jouer safe. Voilà, pour prendre des risques, nous. Je vais tout péter, mais je sais pas ce que je vais péter. Mais je vais tout péter. Oula 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 oula. Hop, ok. Oh, je vais faire un peu plus de 20. Aïe, j'avais pas vu que ça tirait ça. Je regardais le chrono. Cette vidéo va faire juste un peu plus de 20 minutes aujourd'hui. Je pense que je peux pas stopper en pleine mission comme ça et... Faut que je me dépêche de tout finir. Voilà. Hop. On repasse là. On passe là. On fait PTE. Bonjour messieurs dames. Hop. Hop, voilà, ça passe. Oula, 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 oula.
Et voilà, fin du niveau. Fin du niveau et fin de la vidéo. J'aurais réussi à aller jusqu'au bout. Ça va, j'ai failli crever qu'une fois pendant l'enregistrement. Je suis content. J'avais peur de galérer beaucoup plus que ça. Bref, allez, merci à vous si vous m'avez suivi jusque là. Donc on se retrouve demain pour un autre Juste une vie sur Infamous First Light. Et bah à la semaine prochaine sur ce même jeu. Donc il y aura un épisode 3. Allez, ciao à tous. Bye bye.